logique, ils nous ont mis premier corner, on prend ce but. Premier corner du match. On n'est pas au marquage, on est inattentif. Derrière, on n'a pas fait une grande première mi-temps, eux non plus. Voilà, le terrain était très compliqué à jouer aussi. Ça se dérobe sous les pieds. C'était la plage, quoi, il n'y avait que du sable. Et c'était compliqué à pratiquer un bon football. Deuxième mi-temps, là, on a su quand même revenir là, et créer du jeu et se créer des situations. Et on a concrétisé au bon moment. Voilà, on marque à la 74e. Je pense que c'est Loulou qui nous a donné un petit coup de main là-haut. Il est parti à Nîmes et il nous a permis de marquer à la 74e. Tu opères un changement de tactique aussi. C'est un match qui se jouait surtout sur les longs ballons. L'entrée de Pétard a fait beaucoup de bien à ton équipe. Que ce soit dans la tenue, que ce soit sur les déviations, il a été efficace dans ce qu'il a eu à faire. Il a bien fait. Et on marque un joli but qui est une bonne passe de Gaëtan dans la profondeur. Et puis Andy la met bien. Ouais. C'est bien. Non, on est content d'être revenu au score. On aurait même pu le gagner. Sur la dernière action, sur le dernier coup franc qu'on a, il y a Damien qui la dévie bien et le gardien fait un bel arrêt. C'est dommage parce que dans ce qu'on a produit, on a essayé de produire quelque chose. Nîmois, ils ont joué beaucoup direct. Voilà, ils ont été dangereux sur les phases d'arrêter, tout simplement. Un mot sur la performance de Mathias Suarez, c'était son premier match titulaire à droite, dans un contexte particulier, ça a été compliqué, mais comme tout. Non, mais il a essayé de. Techniquement, dans ses relances, il y a eu des bonnes choses. Après, il a pris un gros tampon à la fin avec le gardien qui, je ne sais pas s'il est mal aux côtes. C'est pour ça qu'on l'a sorti à la mi-temps. Comment tu as trouvé l'ambiance? Tu t'attendais à ce que ce soit plus chaud ou c'était au niveau de ce derby? Je trouvais que l'ambiance était bien plus forte à Montpellier, match aller. Ouais. Encourager ou même crier, là, on vous a senti très calme, c'était voulu pour calmer les joueurs Je pouvais pas m'égosiller parce que ça servait à rien, parce qu'on m'aurait pas entendu quand même. Il y avait quand même du bruit, quoi. Il y avait du brouhaha, mais je pouvais pas. Ça sert à rien de crier, des fois, les joueurs n'entendent rien, quoi. Et après, j'ai plus de voix. On a eu un peu peur pour toi à un moment, là, tu t'es fait bousculer par Renaud Ripard, il y a pas de casse. Non, c'est vrai que le banc il est profond là. Quand tu tombes, tu. Mais bon, là, il y a le président et Pascal qui m'ont retenu. Tu t'attendais, Michel, à ce genre de match? Ça s'est joué beaucoup sur les secondes ballons. Ouais, mais on savait qu'ils ont beaucoup de jeux directs avec une lance de lancement qui est Savanier, qui est capable de mettre des bons ballons dans le dos. Et voilà, il joue souvent sur le second ballon et puis les coups de pied arrêtés où il excelle là-dessus. Quoi. Et il a un bon pied, il est capable de mettre des bons ballons. Et sur le premier corner, on a été punis. Hein. La bonne rentrée de Pétard sur l'équipe, ça te donne des idées pour la suite? Il a peu de temps de jeu au final? Ouais, il a peu de temps de jeu parce que j'ai une doublette aussi devant qui est performante depuis le début de saison, mais bien sûr qu'il peut nous apporter un plus aussi. Mais on va s'appuyer sur lui, Hein. Tous les matchs, il rentre et il est capable de nous apporter quelque chose de plus, de différent des deux autres, parce que c'est un bon point d'appui et techniquement, il est à l'aise aussi. Mais je suis content de sa rentrée, il a été efficace. Ouais. Est-ce que vous pensez davantage souffrir face à cette équipe? Non, je ne pensais pas qu'on allait subir un gros pressing de leur part. Et je pense pas qu'ils soient capables de le faire tout un match. Mais on s'entendait à un début de match où ils seraient venus chercher un beaucoup plus haut, mais ils ne l'ont pas fait. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué en 4-3-3 aussi, ce qu'ils nous craignaient au milieu de terrain, je pense aussi.
La sortie de Florent Mollet est due à une blessure. C'est quoi, c'est son genou qui a... Non, à la cuisse. Il a un mal sur le quadri. Ouais. D'accord. C'est musculaire, c'est pas un coup. Eh bien, on ne sait pas exactement, on verra. Parce qu'il avait pris un tampon avant sur un contre. Et lui, il dit que ça a pété. On va voir. On passera des examens, on verra mardi. C'est un coup dur qui t'a obligé à remodifier encore ton système que tu avais déjà changé à la mi-temps. Et finalement, c'est peut-être grâce à ça que vous êtes revenu au score. J'ai changé parce que Suarez, il pouvait pas continuer. Il avait mal à la côte avec le tampon qu'il a pris avec le gardien. Et il fallait que je modifie. Et les joueurs que j'avais sur le banc, je pouvais que repasser à 4 derrière. Pareil, Junior a eu un peu de mal à rentrer dans son match, puis à la fin, on l'a vu pleinement. Enfin, il était beaucoup plus généreux à la fin de match, mais au tout début, il a du mal à rentrer dans son match. Mais Junior, il a souvent du mal à rentrer dans les débuts de match, ou quand il rentre, pareil. Il y a toujours cette petite nonchalance qu'il faut qu'il gomme. Il est capable de faire des bonnes choses aussi. Il a un bon pied, il est capable de percuter, il est capable de donner des bons ballons. Voilà, et il faut qu'il gomme cette nonchalance. Il faut qu'il soit beaucoup plus agressif dans ce qu'il entreprend. La victoire à l'aller, le nul au retour sur le derby, vous avez fait ce qu'il fallait? Non, ce qu'on a fait, c'est ce qui est bien, c'est qu'on avance, on prend des points. Voilà, c'est pas Nîmes. Bien sûr que les supporters sont contents qu'on les gagne ou qu'on fasse match nul, mais si tu gagnes cela et que tu perds tous les autres, tu n'avances pas. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on reste dans les 5 premiers. Voilà. Je vais revenir dessus une dernière fois, mais ce changement tactique à la pause, il est simplement dû à la blessure de Mathias, ou il y a quand même une volonté de proposer autre chose par rapport à une période où vous étiez beaucoup bougé? Oui, mais quand je suis obligé de changer Mathias, oui, je suis obligé de... J'ai personne d'autre pour jouer à 5, parce que j'aurais pu rester à 5 aussi et l'animer beaucoup mieux que ce qu'on a animé en première mi-temps, tout simplement. On est capable de l'animer d'une autre manière. On l'a démontré la semaine dernière où on n'avait pas fait une première mi-temps correcte contre Caen. Et en deuxième mi-temps, on a mis beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus d'intensité dans ce qu'on a fait, de justesse. Et le football, c'est ça, hein. c'est pas le système qui fait que... C'est ce que tu fais du ballon quand tu l'as et ce que tu fais, comment tu la récupères quand tu l'as pas. C'est pas les systèmes qui font gagner les matchs, c'est les joueurs qui sont capables de bien animer et de jouer juste. Justement, à la pause, quel a été le sens de ton discours, si tu veux bien nous le dire, pour un petit peu réveiller tes joueurs qui s'étaient fait quand même bouger, surtout dans la première demi-heure? Non, mais bouger, j'ai pas vu qu'ils nous ont bougé. Dans les duels, on était présents, on a eu beaucoup plus de ballons qu'eux. Ils procédaient juste par contre et du grand jeu direct. Mais dans le jeu, on l'a eu le ballon. Et le problème, c'est qu'on ne l'utilisait pas bien. On a eu du mal. Le terrain difficile, une équipe regroupée parce qu'ils avaient marqué d'entrée et qu'ils nous laissaient peu d'espace. Voilà, on a manqué de vitesse et de justesse, mais le terrain aussi... Était compliqué pour mettre de la vitesse aussi et de la justesse dans le jeu. Ce qu'on a su faire en deuxième mi-temps.